Coucou, je vous prends en vlog pour le mois de la fantaisie. Nous sommes le mardi 9 mai. Il est 14 h. Je viens juste de me poser après avoir fait mon ménage, un peu de linge, tout ce que j'avais à faire dans la maison. Et depuis ce week-end, j'ai entamé la lecture de Palais de cendres et de ruines de Sarah Gimaz, le tome 3 de Hakotar. Et j'en suis arrivée au chapitre 10, page 105. Je dois dire que. Il y a 700 et quelques pages, donc il me reste plus que 600 et quelques. Du coup, je dois dire que je m'en sors plutôt bien comparé à il y a 2 ans. Et j'aime bien, ça va. Mais il y a 2 ans, j'avais aimé aussi. C'est le premier que j'ai pas du tout accroché. Le premier, j'avais pas accroché. Bon, avant, vous aurez ma vidéo de mes bons livres avant ce vlog-là, normalement, si tout va bien. Je vais essayer qu'il dure une petite semaine. Jusqu'à mardi prochain ou à dimanche, à voir. Je ne sais pas trop encore suivant s'il y aura assez de rush ou pas. Demain, je vais manger chez une copine tant que je ne travaille pas. Mais bon, j'aimerais bien trouver du travail. Ça commence à me gaver, on va dire. Le jeudi soir chez kiné à 19 h 30 en ce moment. Donc voilà, je suis assez chargée dans mon planning. Mais j'arrive quand même un peu à lire. Il faut que je chante aussi. Parce que je répète pour... Au mois de septembre, le 3 juin, le 26 juillet et le 28 août, je sais plus trop quand, on a 3 dates de répétition avec ma chorale pour répéter les chansons qu'on va chanter avec Didier Barbelivien en personne au mois de le 24 septembre, le week-end du 24. Septembre, donc j'ai ça à répéter aussi, mais j'ai lu déjà un livre, donc mais je me suis comme je vous l'ai dit, vous avez vu ma palle aussi, je me suis fixé 4 livres, 2 gros pavés, celui-là et l'autre, la 9e maison qui fait 600 pages aussi, donc je sais pas si je les lirai tous, et j'ai un manga aussi à me caler. Donc le manga, je peux essayer de me le caler dans la semaine aussi ou dans le week-end qui arrive, suivant si je m'ennuie ou pas. Il peut se lire très vite si... Voilà. Voilà. C'est pas moi qui fume, mais c'est mon chéri. Lol. Donc je rends de la cigarette, perso. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime pas ça. Voilà. Bref. C'était pour parler de tout et de rien en même temps. Pas que de livres. Niveau série, je suis en plein Ginny et Georgia, j'adore. J'ai presque fini la saison 1 et je pense que dans la semaine j'attaque la saison 2. Et ce soir avec mon chéri, on va se regarder l'exorciste. On va se commencer l'exorciste sur Prime Video. Ça a l'air pas mal. Voilà. Car là, je sais que t'aimes les trucs d'horreur. C'est un truc d'horreur en série. Donc je pense que tu aimerais. Voilà. Bon, je vous laisse. J'ai dit assez de voilà dans la même. L'introduction de vlog. Et du coup, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Coucou à tous, nous sommes le jeudi 11 mai. Il est 18 h, je me reprends en cours aujourd'hui. Hier, j'ai pas eu le temps. Je suis allée manger chez une copine et j'ai pas vu le temps passer. J'ai lu un tout petit peu hier en rentrant. J'ai lu L'Atelier des sorciers, le tome 3. J'ai lu 10 pages. Je vous le montre pas parce qu'il est là-bas. Là, je vous montre où j'en suis. J'ai un tout petit peu avancé dans un palais de cendres et de ruines de Sarah Gimas. J'ai lu 2 pages de plus que la dernière fois. Et je me suis arrêtée en plein chapitre. Bah, j'ai pas eu le temps de continuer. Aujourd'hui, pareil, j'étais invitée. C'était pas prévu. Ça s'est fait à la dernière minute. À 30 minutes de chez moi. Et ça s'est très bien passé. On a bien rigolé. Mais... Coucou Véro, si tu passes par là. Merci encore. C'était bien sympa. Ça m'a fait du bien au moral, d'ailleurs, et d'avoir vu mon kiki aussi, un pote à moi, que j'adore, et voilà, et sa maman. Grâce à elle que on a passé un bon moment, d'ailleurs. Merci à toi, Véro. Donc, je vais me remettre petit à petit à la lecture, mais c'est vrai que je lis un peu moins, je relis un peu moins ça. Ça s'est calmé un peu mon rythme de lecture, on va dire. Mais j'espère y remédier. Voilà, je vous dis à plus. Je veux dire, jusqu'à ce que les garçons rentrent à l'université, ce sera abusé. Non, moi je trouve ça très bien. Pousse-toi. Ça va, un peu plus cher.
j'aimerais faire un saut en parachute et tout comme ça. Coucou à tous, nous sommes, je vous reprends aujourd'hui, le lundi 15 mai. Oui, 15 mai. Il est 14h, je suis dans mon bain parce que ce matin je me suis levée assez tôt parce que j'ai eu un problème de voiture, on a été l'amener avec mon chéri, bref. Et du coup, je suis rentrée assez tard et j'ai fait plein de choses dans la maison. Une machine de linge, je me suis occupée du linge de ci, de là. Et voilà, et là je me pose enfin un petit peu. Et j'ai un petit peu avancé dans ma lecture et je compte avancer pendant le téléfilm de l'après-midi. En même temps, je vais me le regarder. J'en suis à la page au chapitre 14, page 145, de Un palais de cendres et de ruines. Et j'ai lu 12 pages de l'atelier des sorciers, tome 3. Et vous aurez vu dans mon vlog que hier on a été à l'exposition de Bordeaux avec mon chéri, toute l'après-midi. De 14h à 19h et c'était vraiment bien, ça m'a fait bien fou de sortir de la maison, de penser à rien d'autre, ça m'a vraiment des rencontres super et voilà, j'en garde très bons souvenirs. Voilà, mais je vous reprendrai peut-être pendant une pub pour vous montrer où j'en suis de la suite de ma lecture ou après le film. Voilà, à plus. L'énergie. Mettez la fatigue à l'amende. Président. Twist. Et B. Twist today. Et chérie, où c'est qu'elle est la trottinette du passeur? Coucou à tous. Aujourd'hui, j'étais chez une amie, donc j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu qu'un chapitre, mais j'avance petit à petit quand même. Dans Un Contard, le tome 3, j'en suis au chapitre 23, page 264 quand même. J'en suis presque à 40% de ma lecture sur Livre Addict. Donc bientôt la moitié. Vivement, vivement. Ça avance doucement mais sûrement. Et ouais, juste avant, j'étais chez une copine aujourd'hui. J'ai passé l'après-midi avec elle et son fils. On a été promener le chien. Il a joué le gamin au ballon et tout. Et ça s'est super bien passé. Ça m'a fait une bonne petite après-midi. Et là, il est déjà bientôt 19h. Et tant mieux. Parce que ça m'a fait une bonne journée. Voilà, mais je vous reprendrai peut-être pas demain parce qu'on va manger chez ma belle-mère avec mon chéri. Je vous reprendrai sûrement vendredi et je clôturerai sûrement le vlog vendredi. Enfin, je pense qu'il y aura eu assez de rush. Je crois que ça fait une semaine que je filme, un truc comme ça. Et voilà. Et j'adore finalement le... J'ai attendu 2 ans de le lire, mais j'aime beaucoup finalement le troisième. Ça va être mon préféré, je pense. Et j'adore l'histoire d'amour entre Rhys et Feyre. Parce que j'aime pas Tamblyn, je vous l'ai déjà dit comme ça, de toute façon. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous reprendrai sûrement vendredi. Et je clôturerai le vlog. Il faut absolument que je filme les beaux livres que j'ai toujours pas pris le temps de filmer. Je pense vendredi aussi, je vais le filmer ça. A plus. Merci. Désolée, j'avais fait tomber le livre. Du coup, je vous dis à plus. Cette fois.